Coucou le chat. Coucou. T'es bien dans mon lit? On dirait une petite boule de poils. Petite boulette. Petite boulette. Petite boule de poils. Tu dis bonjour aux abonnés? Bonjour. Je te fais un café. Maintenant, on va manger. Donc, je bois un café après. On va manger des lasagnes. Mon plat préféré. Bah, tu viens pas dire bonjour, j'ai un bouton. Juste là. Salut. Moi et mon bouton, on a oublié de vous dire bienvenue dans ce Genologue numéro 28. On se retrouve encore dans la cuisine. Du coup, j'ai vu hier soir avec Kendall, on regardait la vidéo de Apo et elle faisait des beignets avec Doc. Du coup, j'ai envie de faire des beignets. Normalement, on a tous les ingrédients à part une poche à douille, donc peut-être qu'on ira en acheter une. On les mangera que ce soir, du coup. Parce que c'est un peu long. Enfin, c'est pas long à faire, mais c'est long à laisser la pâte poser pour qu'elle lève, après pour la dégazer. Après, une fois qu'on a fait ça, on coupe les beignets pour relaisser poser les petits beignets. Bon, enfin bref, c'est pas à moi de manger ce soir. Bon, fausse alerte, on change de plat parce qu'en fait, on n'a pas de levure boulangère et j'ai un peu la flemme d'aller en chercher. Du coup, on fait des gaufres. On fait des gaufres. C'est bien aussi les gaufres. Mmh. Du coup, niveau ingrédients, il vous faut de la farine, de la levure chimique, du sucre, sucre vanillé, 3 œufs, du lait, du beurre fondu. Donc là, on a tout. Alors, il nous faut du beurre fondu. 70 grammes. Bon, ben les beignets, on les fera une autre fois. Que faut-il faire en premier? Mélanger dans un saladier la farine, la levure, le sucre et le sucre vanillé. Kenna, elle est en train de préparer le lait. Moi, j'ai jamais réussi à faire en sorte que les gaufres soient aussi belles que dans mon achète dedans. Parce que c'est toujours mais elles sont congelées, surtout. Celles de dehors. Non, mais tu sais, quand ils te les font faire. Quand ils te les font devant toi, là, comme au gros du roi, ben, moi, elles ressemblent toujours à rien. Oui, mais c'est des gaufres déjà, ils les font juste réchauffer. Hein. Non. Bah, si. Mais non, là, on achète les crêpes, ils font les gaufres devant nous, avec la pâte et tout. Genre. Levure chimique, un sachet. Ouh. Sucre vanillé. Ok, maintenant le sucre tout court, 60 grammes. Donc vous savez la série dont on vous a parlé avec Kendall à The Glory sur une fille qui se fait harceler et tout, on l'a fini. Prochaine saison elle est en mars, donc ça va bientôt. Bah franchement c'était cool, je suis dégoûtée qu'on l'ait déjà fini. Mmh. C'est trop coup, bien. Pour le coup c'est vraiment une série où on a regardé parce qu'il n'y avait que ça, on savait pas quoi regarder, on est vraiment pas déçus. Mmh. Dans un autre, fouetter les œufs avec le lait. Les œufs c'est tout hein. Bah ouais. Okay, tu voulais essayer de faire avec une main? Ouais. J'essaye. Ouais, vas-y si tu veux. Je sais pas comment ils font. Il est lourd. Ok, non. À demain, c'est bien. Du coup, 3 œufs entiers. Maintenant qu'on a fait ça, il faut le rajouter dans notre préparation. Canal, t'en mets partout. T'as une goutte est tombée. Mon dramatique. Bon, je me le reste. Hein. Vas-y. N'oubliez pas votre petit beurre fondu. La pâte a l'air sympathique, comme ça. C'est bon là. Mmh. Et il faut la laisser poser. Reposer normalement. Combien de temps? 2 heures. C'est chiant, pourquoi les pâtes faut les laisser reposer? Elles ont pas besoin de repos. Bon, au final, on va pas laisser reposer la pâte pendant 2 heures parce qu'on a la flemme et que tout le monde veut manger des gaufres. Du coup, c'est pas grave. Elle a quand même gonflé, hein, en vrai. Comme toi. On m'a gonflé. On a mis le petit gaufrier à chauffer. Je vais vous poser. Là par exemple, c'est bien. Alors c'est bon, le truc a chauffé. Et maintenant on met les petites bouchettes. On referme. Et on attend. Mmh, ça sent la gaufre. Ça sent la gaufre. J'ai jamais bien fait. Je la faisais toujours. Oh, c'est normal. J'en ai trop mis. Ah. Du coup, maman va en goûter une. C'est toi le crash test, maman. Et du coup, maman, je vais faire la purée d'amande. Vas-y, maman, goûte.
Parfait. Allez. Merci. C'est bon. Elle est bonne? Mmh. Très bonne. Bon, on va goûter avec Enel, on a mis du sucre glacé. Toujours bonne, hein? Mmh. Mmh. Super bonne. Bon, tout le monde se régale. Maman et Eric, ils aiment bien. Nous, on a mangé, on a goûté juste un petit bout et on attend parce que, regardez, il reste pas beaucoup de pâtes. Enfin, il reste 2 fournées, je pense. Donc, on attend des... Ah! On attend de les avoir toutes faites. On va se faire un chocolat chaud avec Enel. C'est celui-là, bah, on a mis du sucre parce que sinon, c'est pas très bon vu que c'est du 100% cacao. Il faut mettre 2 cuillères à café, 1 cuillère à café de sucre. Et moi, j'ai pris avec du lait de... Noisette. Mais je sais pas si ce sera assez sucré. Ça y est, on va pouvoir manger les gaufres. On a une montagne de gaufres. Moi, je vais en prendre une à la purée d'amande, je pense. Bon appétit, mes enfants. Merci, maman. Attention, crash test. Fais un vrai crash test. Elles sont bonnes. Mais passez où ma cuillère? Voilà. T'allais dire que c'est moi, j'ai vu. Ouais. Régale. Mmh. Bizarre de tremper ça dans du lait, non? Ah, bon. Ah ouais? Mmh. Ah ouais, que je trempe mes crêpes dans le lait, moi. Trop bizarre, là. Bon, depuis tout à l'heure, il s'est passé, je sais plus trop quoi. On a dégusté les gaufres, après on a papoté ensemble, en famille. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous!